Bienvenue sur le salon Interzoo 2018. On est sur le stand de Retsi avec un nouveau concept que va nous présenter Fabrice. Bonjour Fabrice. Salut, ça va tout le monde? Alors, le concept qu'on peut voir là-haut sur votre panneau, donc bon, le Retsi, la marque, on connaît. Hein. Merci, c'est cool. Connected, ouais, c'est quoi? Connected, on a cherché à développer un écosystème qui était compatible avec tous nos aquariums, parce qu'il y a certains produits qui manquaient dans notre catalogue, notamment avec l'expansion des reefers qui a été assez significative ces dernières années. Donc c'est une façon de compléter notre catalogue et de le compléter de façon logique, cohérente. Vous le verrez au niveau des produits qu'on a présentés en avant-première sur ce salon et surtout facile à utiliser. Voilà. Alors, on a vu 4 univers connectés. On va voir 4 univers. On va voir l'univers des systèmes de, entre guillemets, de dosage automatique. Exact, oui. On va voir l'univers des LED. On va voir l'univers du brassage et l'univers de l'écumage. Oui, exact. On commence par donc le premier pôle, donc le RiffDose. Ouais, c'est ça. Le RiffDose, c'est une suite logique à notre gamme. Sur le marché, on est relativement connu pour, du coup, d'une part, tout ce qui est aquarium, habitat aquarium, et aussi, évidemment, sur nos consommables, puisque c'est comme ça que, pour mémoire, il y a 25-27 ans, Retsi est né en étudiant une formule de sel à l'époque. Et du coup, le RiffDose, pour nous, c'était vraiment la suite logique de la gamme sur les consommables. Voilà, ça permet, en tout état de cause, d'automatiser la supplémentation dans l'aquarium. Et du coup, de pouvoir s'absenter une semaine, 15 jours en fonction du volume des réservoirs. RiffDose, c'est un concept. Quand on regarde le stand qui est ici, on a donc une tablette. Donc, c'est un équipement connecté puisqu'il se pilote à travers une application. Exact. Et c'est aussi donc une pompe donc, qui se connecte en Wi-Fi, entre guillemets, aux équipements. Exact. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de cette pompe? Oui, bien sûr. Premièrement, en effet, c'est connecté en Wi-Fi. Et il faut savoir qu'il y aura une application, une seule, pour unifier les différents éléments. Okay. Sur le tableau de bord de l'application, à l'allumage, on a trois mini tableaux de bord. Un tableau de bord qui correspond du coup au dosage, à la pompe de dosage, le RiffDose, après au RiffLED et au RiffWave qu'on verra par la suite. Okay. C'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on clique sur le mini accueil du RiffDose, on a accès bien sûr à des informations un peu plus développées. Okay. On peut le voir ici, les informations développées, il y a le dosage journalier, le volume restant et surtout il y aura un moteur de notification qui permettra tout simplement à l'aquariophile de savoir, sans avoir à checker lui-même, combien il reste de liquide dans la bouteille et du coup combien d'autonomie potentielle il reste avant d'avoir à changer ou renouveler le contenu de la bouteille. Alors le nerf de la guerre dans tout ce qui est pompe entre guillemets de dosage, c'est souvent la précision. Oui. Surtout avec les bacs qu'on a aujourd'hui, il y a vraiment chez les particuliers des bacs de compétition. Ouais. Et les enjeux sur la fiabilité des systèmes sont importants. Donc là, on a essayé d'apporter un système un peu plus évolué, même si c'est, je pense, un euphémisme, que sur beaucoup de pompes doseuses du marché, en utilisant notamment des servomoteurs. Voilà. Donc les servomoteurs sont des modèles spécifiquement développés par Retsi. C'est un modèle qui n'est pas fabriqué par quelqu'un d'autre. Je parle de la pompe doseuse dans son ensemble. Okay. C'est vraiment un produit 100% Retsi. Et si vous le voulez bien, on peut faire sur le salon, ici et en direct, un petit essai de précision de dosage. Voilà. Ok, donc là sur l'écran d'accueil, on a 4 canaux de dosage. On a affiché 2 pompes doseuses en parallèle. Je vais utiliser par exemple le canal du calcium. Okay. Donc je clique simplement sur calcium. Et ici, pour vous faire une démonstration rapide, j'appuie sur dosage manuel. Ici, on va rentrer un chiffre au hasard. 3 par exemple, tu as fait un changement d'eau, tu as des paramètres qui ont divergé, par exemple, et tu veux rajouter un peu plus de calcium. Plutôt exactement, tu as fait ton test et tu veux pas attendre 24 heures, par exemple. On parlera après des possibilités de réglage. Okay. Et là, on veut juste faire un ajout rapide, on va dire. Donc là, si je mets 3,5 ml, il faut savoir que dans les bouteilles et pour le salon, on a mis de l'eau. Okay. On a mis de l'eau et ça nous permet d'avoir 1 ml égale 1 g. C'est juste pour vous donner un aperçu du ratio de précision qu'on souhaite obtenir avec ce type de produit. Okay. Je valide, j'appuie sur OK, la pompe se met en marche. Voilà, et là, il faut savoir que sur le résultat de la balance, on vient d'arriver à 3,49 g. Donc on est au centième
au centième de gramme, ok. Et j'avais noté de mémoire 3,5, me semblait-il. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment, et c'est en live, il n'y a pas de réglage particulier. C'est une pré-série, ouais, pour vous dire, hein, puisqu'on discutera après des dates de sortie des différents produits. Donc c'est pas le produit définitif. Et on a une précision là, au centième ou à quelques centièmes de gramme, qui peut d'ailleurs aussi être, pour information, dû à la marge d'erreur aussi de la balance. Oui. Ok. Mais voilà, il y a deux marges d'erreur en fait, il y a la précision. La marge d'erreur de la pompe et la marge d'erreur de la balance. Autre point, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des bouchons spécifiques sur les bouteilles. Oui, exactement. Alors au niveau bouteilles, dans un avenir proche, toutes nos bouteilles auront ce form factor là. Elles vont changer de couleur et le bouchon sera dès le début équipé d'une extension qu'il faudra couper si jamais on souhaite les raccorder à une pompe doseuse. Okay. À l'intérieur de ce bouchon-là, en fait, il y a un tube plus long et plus large qui va jusqu'au fond de la bouteille et qui permet du coup d'aspirer jusqu'à la dernière goutte. D'accord. Et encore une fois, jusqu'à la dernière goutte, certes, mais l'application enverra une notification avec un code couleur. Donc le code couleur, c'est jusqu'à 10 jours, c'est code couleur vert, il y a assez de produits dans la bouteille, tu vois. Okay. Après, on passe à 5 jours, c'est orange, et 3 jours, c'est rouge. Attention, gars, il va falloir faire le plein. Cette modification va pour être tous les formats, que ce soit entre du de 250 ml jusqu'au gros bidon de 5 litres. Oui, tout format disponible jusqu'au gros bidon de 5 litres. Et en fait, au moment où tu recharges la bouteille, tu rentres dans l'application le volume que tu introduis. Et en fonction du dosage que tu as réglé, le logiciel et le processeur calculent automatiquement l'autonomie, combien il va te rester, combien de jours ça fait de supplémentation. Ok. Je te propose qu'on passe au LED. Allez, c'est parti. Parlons maintenant de l'univers des LED avec le concept Reef LED. Alors, jusqu'à présent, pour moi, les bacs Créti étaient équipés de la marque Aqua Illumination. Exact. Et ils donc, le sont encore pour un moment, voilà. Pour info. Et donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que Reti va devenir maintenant fabricant de LED. Oui, tout à fait. La même logique que pour le Reef Dose. On veut et on tient absolument à être complètement indépendant sur notre développement. On a vraiment d'excellentes relations, ne serait-ce que commerciales, avec Aqua Illumination. Okay, c'est un contrat industriel et on en est absolument ravis. Sauf qu'on n'est pas indépendant, c'est-à-dire qu'on est dépendant, pour le coup, de leur système, de leur mise à jour. On n'a pas vraiment la mainmise dessus, même si c'est un système qui marche très bien. Donc notre objectif, comme nous sommes une entreprise qui se développe, tout simplement, c'est d'être indépendant, autonome, maître de ses choix. 100% Reti. 100% Reti. Voilà, tout ce qu'on fabrique nous-mêmes, au moins on contrôle ce qui se passe. On fait des mises à jour quand on veut, on fait des changements hardware quand on veut, on fait, voilà, beaucoup plus de souplesse. Mais c'est un travail à beaucoup plus long terme, parce qu'on ne s'improvise pas intégrateur de composants comme ça du jour au lendemain. Donc du coup, le concept Reef LED, 90 watts, peux-tu nous en dire plus? Oui, je peux en dire plus. La genèse un peu, comment ça se fait? En effet, c'est la question que tout le monde va se poser, comment ça se fait qu'ils vont passer de AI à leur propre système. Pour ceux qui sont fidèles de Recifal News, il y a 4 ans, ils étaient déjà sur Interzoo. Oui. Et on avait présenté à ce moment-là un prototype de LED pour nos Max-S, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il était ultra design, super fin, et au niveau physiologie déco, il était extrêmement efficace. Sauf qu'à ce moment-là, c'était il y a 4 ans, tu vois. Et c'était très cher à fabriquer. C'était très cher à fabriquer. Nous n'avions pas l'outil industriel, ni la compétence technique ou ingénieriale. Okay, maintenant, c'est ça. On peut le faire. Et ces 4 ans de développement, même si on n'en a pas fait publicité, ils ont continué à être menés dans le laboratoire de Sharon que tu as déjà rencontré, qui est notre chef biologiste. Voilà. Donc ces 4 ans-là, même si on avait les LED AI où tout le monde pensait que du coup c'était réglé, que de notre côté on ferait avec, ça a toujours été un plan, vraiment j'insiste, de développer notre propre système. 4 ans de développement ont abouti du coup au Reef LED, qui est maintenant un composant de ce qu'on appelle Reti Connected. Et on va peut-être aborder maintenant différentes l'aspect particularités technique. Exactement, de ce module LED. Attaquons l'aspect technique. L'aspect technique, avant de faire joue avec l'application, fait la puissance nominale 90 watts exactement comme les AI. Okay, oui. Donc ça change pas. Là où c'est très particulier, et parce que c'est fabriqué 100% par nous en interne, on a une lentille de diffraction qui est unique, brevetée, il n'y aura que nous qui l'aurons, et surtout un chips LED qui est composé par nous et selon nos spécificités. Okay, le choix des LED est très différent de l'approche qu'on AI ou tous les autres fabricants de LED. Bah d'ailleurs, il suffit juste de le voir sur la tablette pour les curieux. On a du bleu, du blanc et un moonlight. Ouais, exactement. Et après, moi, je vais aborder, Sébastien, les spécificités de la composition de ces faisceaux lumineux. Ouais. Parce qu'évidemment, ce n'est pas que du bleu. On est d'accord. C'est une composante de bleu. Voilà. Les 4 ans de recherche qui ont été menés par Sharon n'avaient qu'un seul but. C'était obtenir une sécurité et des ratios de croissance supérieurs
à notre époque T5. Oui. Où tout le monde, je pense que sur le marché du récifal, d'ailleurs on en voit encore beaucoup qui sont réfractaires au LED, ok, et qui sont en T5. Et vraiment, c'est une technologie qui marche très très bien. Pour des raisons d'économie d'énergie, de dispersion de chaleur, etc. Bon, il y a ça, ces inconvénients. Mais au niveau de la physiologie des coraux, c'est extrêmement efficace et extrêmement safe, comme on dit. Oui. Okay. L'objectif de Sharon, c'était ça. Arriver à aboutir à une technologie LED qui soit aussi efficace, en l'occurrence c'est plus efficace maintenant, et aussi sécurisante que l'utilisation des T5. Donc pour simplifier les choses, il y a une deuxième composante aussi. Souvent ce qu'on reproche aux LED, ce que disent les gens, c'est qu'ils ont l'impression que leur bac est sombre aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect visuel qui compte énormément. C'est-à-dire que c'est pas parce que les coraux sont en bonne santé, ils poussent. La perception de l'œil humain, de la lumière du bac est un peu compliquée. Voilà. Alors c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'il y a quelques minutes, on a eu un petit briefing en interne, justement pour mettre ça en avant. C'est-à-dire que physiologiquement, les coraux, ils ont besoin que du bleu. On est d'accord. Tu regardes, pour ceux qui font de la plongée, je sais que parmi vous, il y en a qui en ont déjà fait ou qui en font régulièrement. Si vous n'avez pas une lampe torche quand vous plongez, ou si vous n'avez pas des filtres de couleur pour ajouter un peu d'orange ou de rouge, dès que vous êtes à 3-4 mètres de profondeur, tout est gris, tout est bleu. Okay, parce que les coraux qui sont prélevés ou qui sont élevés de toute façon dans des conditions naturelles, ils ont besoin de ce flux lumineux, de ces longueurs d'onde pour croître. Okay, ils n'ont pas besoin du vert, du rouge, du super blanc, etc. Ça, il faut juste nous, en tant qu'industriels, arriver à trouver un juste équilibre entre l'efficacité sur les coraux, parce que là, notre fer de lance à nous, c'est de dire quand on développe un produit, on vous certifie que pour la pousse des coraux, ça a été testé, validé. Bon, je ne vais pas passer tous les mois de tests de croissance que Sharon et son équipe ont effectués. Oui. Mais on veut que ce soit sain et sécurisant. D'accord ? Oui. Par contre, après, il est vrai qu'en tant que fabricant, il y a une logique commerciale. Si c'est pour vous faire des éclairages bleus qui vont faire pousser les coraux, mais tout le temps, tout le monde va dire c'est moche. C'est sombre. C'est moche. Ok, je vois les fluos, mais ça me plaît pas. Donc, on a intégré une lentille blanche, évidemment. Et après, on va jouer avec les différents canaux de couleurs ici pour vous montrer ce que ça donne dans le réel, malgré une balance des blancs qui va pouvoir peut-être être un peu chaude à régler, mais ça c'est votre problème. C'est parti. Allez, ok. Premier canal, le canal de bleu, il est composé de 3 bleus en fait, okay. Dans les ratios, encore une fois, d'après les recherches, les comptes rendus de tests de croissance, etc., qui ont donné les meilleurs résultats de croissance. Donc, autant pour moi, il y a du bleu, ce qu'on appelle purple, donc c'est violet, et de l'ultraviolet. Okay. D'accord. Ces trois longueurs d'onde ne sont pas changeables. Oui. D'accord. Le ratio, il est fixe. Par contre, évidemment, un peu comme sur l'application de MyAI de Aqua Illumination, évidemment qu'on peut jouer simplement en tactile avec l'intensité des différents canaux. Donc là, juste pour vous montrer un petit peu, on peut jouer en direct, on voit un peu les changements. On peut slider aussi si ça vous intéresse. Là, c'est plus maintenant vous êtes habitué avec AI à ce genre de manipulation. Le blanc, alors autant là, je vous ai dit qu'il y avait bleu, violet et ultraviolet. Autant le blanc, c'est un chipset custom, c'est-à-dire que c'est vraiment, moi, j'avais jamais vu ça ailleurs en tout cas. C'est un chipset qui est vraiment fait par Etsy. Et après, je vais mettre au minimum l'intensité lumineuse. Je vais soulever un petit peu le module et vous pourrez peut-être voir avec les capteurs vidéo à quoi ça ressemble. Okay. D'accord ? Et du coup, c'est breveté. Et puis après, le moonlight, alors là, je peux le mettre, mais en fait, c'est tellement léger avec le reste de l'éclairage qu'on ne verra rien pas à l'œil nu. On verra pas. D'accord ? Donc, on est d'accord, c'est une application standard. Donc, on aura des réglages comme sur MyAI, c'est-à-dire faire des courbes de puissance, programmation. On va même un peu plus loin. En l'occurrence, alors, pour se référer à Aqua Illumination, mais pas exclusivement, non, que tous les autres systèmes. Je parlais des programmes préfets, que les gens ont l'habitude d'avoir. Exactement, c'est ça. Que ce soit Ecotech ou JHL ou des choses comme ça, tous les canaux, en fait, sont réglables indépendamment les uns des autres. Okay, et nous, via nos pages Facebook, via notre site web, on recueille beaucoup de questions techniques, tu vois, parce qu'en fait la technologie après est tellement avancée que les récifalistes, à moins qu'ils ne soient extrêmement pointus, ne savent pas comment régler tous ces satanés canaux de couleurs. Oui. Donc à chaque fois ils reviennent vers nous ou vers les magasins, ils nous disent ok, j'ai acheté le bac et je le trouve super, mais quel réglage j'utilise. Voilà. Donc là, ce sera beaucoup plus simple parce que dans l'application, en effet, pour ton information, tout sera paramétrable, d'accord, par heure, par minute, par heure, voilà. Mais en plus, on intègre des programmes prédéfinis. Okay, des programmes prédéfinis, vous connaissez sans doute nos recettes récifales pour les additifs. C'est notre façon de, et les quantités de doser différents additifs en fonction de la faune qu'on a. Donc des coraux mous, des LPS, des SPS, voilà, tu connais le système. Là, dans l'application, il y aura vraiment ce type de réglage.
qui seront en correspondance avec oui, avec le type de coraux maintenu. D'accord. Et chacun, évidemment, si l'aquariophile n'est pas d'accord avec ça, ou s'il n'aime pas le rendu final, ou si, tu vois, quelle que soit la raison, il y aura de toute façon la possibilité de les customiser complètement. Donc chaque, c'est des bases de départ, elles sont vraiment superbes, et après, si, à notre avis en tout cas, est efficace et saine, si vous voulez échanger, bah, faites-vous plaisir. On va regarder la puce. Ouais, allez. Je ne sais pas si on peut voir quelque chose, s'il faut zoomer, s'il faut... Voilà. En fait, vous avez une petite constellation de diodes bleues. Et au milieu, vous avez un gros bandeau de 8000 Kelvin, mais monobloc. Voilà. Ensuite, quelques détails techniques qui ne sont pas liés au composant LED lui-même. L'épaisseur ici, il faut savoir que les bleus et les LED UV sont vraiment dangereuses pour l'œil humain. En plus d'être un peu désagréable quand on a son canapé, d'avoir le faisceau lumineux dans la tête. Donc cette épaisseur-là est volontaire. C'est-à-dire que la base ici sur un centimètre, c'est vide. Mais ça nous permet en fait de cacher le faisceau, à la fois pour protéger l'œil humain et pour que ce soit plus facilement intégrable dans un salon moins distractif. On regarde le bac, on va voir que le vivant. On n'aura pas la vision lumineuse, tu sais, du LED brillant au-dessus. Voilà. C'est souvent le problème d'ailleurs. C'est toujours l'intégration un peu difficile dans la maison, ouais. Passons maintenant au Reef Wave. Troisième concept du concept connecté de Red Sea, donc, c'est le Reef Wave. Donc, des pompes de brassage. Oui. Ok, pompe de brassage. De la même façon qu'on s'est lié à Aqua Illumination pour avoir un éclairage LED efficace et fiable, on s'est lié à MaxSpect. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un secret industriel ou quelque chose comme ça. On le revendique exactement de la même façon qu'avec Aqua Illumination. Mm-hmm. Et lorsqu'on cherchait des fabricants de pompes, de pompes de brassage, ça a été vraiment l'entreprise pour le coup la plus réactive. C'est-à-dire... mentalement ouverte, on va dire, et surtout ouverte sur le principe de faire progresser le produit. Parce que lorsqu'on est venu les faire, lorsqu'on est venu les contacter, pour nous, hors de question d'avoir juste la même chose avec un logo Red Sea. C'était, oui. On n'a jamais procédé comme ça, je pense que ça fait un moment que vous nous suivez. C'est pas du tout la logique de l'entreprise. Donc on y est arrivé les voir, on leur a dit, je vais être un peu cash clairement, vos pompes elles fonctionnent bien mais elles sont parfois un peu bruyantes, donc c'est ce qui ressort très souvent. Donc nous, si vous êtes d'accord sur le principe, on vous propose, puisqu'on a nos propres ingénieurs et tout ça, de bosser ensemble pour arriver à faire un modèle custom différent des vôtres, même si le form factor c'est le même. Ouais. Voilà. D'ailleurs on le voit, de toute façon c'est visuellement. Exactement, entre les aimants après, et tout ça. Il y aura un petit zoom et voilà. Donc entre autres évolutions, on va dire, changement, amélioration, je sais pas comment on pourrait expliquer ça d'une autre façon. De votre version. De notre version, du coup. Les puissances maximales sont un petit peu inférieures aux leurs. C'est-à-dire que la leur, j'ai en mémoire une gire qui fait, puisque c'est de ça dont il s'agit, 20 000 litres heure, pour 60 watts. La nôtre fait 15 000 litres heure pour 45 watts. Ouais, d'accord. Mais la technologie moteur est vraiment différente. Parce que là, pour le coup, on a un moteur DC. Oui. D'accord. On n'a pas un moteur sur courant alternatif. Donc le silence, je ne sais pas si on peut mettre un micro sur le truc, mais... Avec le salon, ça va être compliqué. Mais en plus, on a un environnement bruyant. Hein, mais vraiment, c'est extrêmement, extrêmement silencieux. Et on a modifié pas mal d'autres choses. C'est-à-dire que maintenant, en gros, vous la démontez en 30 secondes. Ouais. Voilà. Parce que je ne sais pas si, pour ceux qui ont déjà utilisé les gires, lorsque le démontage est vraiment fastidieux, on peut casser des pièces. Là, on l'a fait, nous, alors que c'était vraiment, en plus, encore une fois, ce sont des prototypes, mais rien à voir au niveau de l'ergonomie. Le silence est bien supérieur. Mmh. Et la majeure évolution, évidemment, c'est que dans le bloc de contrôle, il y a la puce Wi-Fi. Oui. Voilà. Donc ça permet encore une fois d'unifier le système avec une application qui sera omnivalente. Connectée. Voilà. J'ai vu qu'il y a deux modèles a priori. Il y a le petit et le grand. Ouais. Il y a un modèle de 7000 litres heure max et un modèle de 15000 litres heure comme je l'ai dit précédemment. Alors petite question, parce que là on voit tous ces produits là, mais c'est des produits qui seront commandables séparément, pas spécifiquement avec les aquariums. Non, exactement, c'est ça. Là aujourd'hui clairement, lorsqu'un revendeur faisait appel à nous, il devait faire appel à d'autres fabricants pour compléter l'équipement des bacs. Okay, notre volonté, comme encore une fois on fait que du marin, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut continuer à bénéficier de cette bonne dynamique, il fallait qu'on étende notre catalogue. Voilà. Donc en étendant ce catalogue, notre état d'esprit c'est pas d'être exclusif 100% Red Sea, enfin tu comprends bien la logique, c'est une possibilité supplémentaire. Voilà. Non mais ça veut dire que ça laisse une alternative et du choix supplémentaire. Ouais, plus de choix, aussi parfois pour les revendeurs, plus de confort ou de facilité à se procurer les produits, parce qu'il se trouve que pour ne parler que de la France par exemple, nous sommes une entreprise qui est
au niveau structurel est bien implanté, c'est-à-dire qu'on visite régulièrement les magasins, ils savent à qui ils parlent. Le stock est en France, ça c'est un hasard, mais Red Sea Europe, pour info, pour ceux qui ne savent pas, c'est en France. En Normandie. Ouais, exactement. Donc voilà, ce sera confortable et relativement rapide, sans intermédiaire non plus. Pas de distributeur, on vend directement au magasin. Ouais. Donc du coup, on a donc le boîtier de contrôle comme on le voit ici, donc des fonctionnalités qu'on retrouve classiquement avec des sinusoïdes et des waves carrées, des pulse waves. Ouais. On est capable de synchroniser deux pompes entre elles, parce que pour les grands bacs, c'est souvent le truc, le drame. Exactement. On est évidemment capable de synchroniser entre elles, qu'il y ait une grosse ou une petite d'ailleurs. Oui. C'est un choix, on n'est pas obligé de le faire. On peut faire des programmations séparées. Il y a des programmes prédéfinis, mais ils sont tous paramétrables. Encore une fois, comme pour l'éclairage Leaf LED, on a des schémas prédéfinis pour guider l'utilisateur lors de ses débuts. Et à notre avis, ce sont les meilleurs réglages, en tout cas sur le modèle de la LED. Après, le gars, il joue comme il veut avec. D'accord ? Comme il veut. D'accord. Donc après, est-ce qu'il y aura une synchronisation entre la pompe par exemple et l'éclairage pour le Reef Crest par exemple, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la calmie nocturne avec les marées, tout ça? Ça, pour l'instant, dans l'application qui est développée, on le laisse au libre choix de l'utilisateur. D'accord. Tout est possible. Tout est possible. Le problème, c'est qu'on sait que vous aimez jouer avec la technologie. Donc on va le faire, mais combien vont vraiment utiliser ça et se dire c'est le pack complet, je vais l'utiliser comme ça sans forcément vouloir changer quelque chose. Je fais une petite aparté aussi. Aujourd'hui là, ce sont que des prototypes, même au niveau de l'appli, c'est pas la version finale. Y a, par rapport à ce qu'on va voir ensemble, je veux pas vendre du rêve ou je sais pas quoi, mais il y a plein d'autres choses qui arriveront après qui sont pas forcément encore sur les salons, y compris au niveau de l'application. Donc c'est encore l'application, le terme c'est work in progress. Petite note, c'est du bêta, enfin même si c'est du bêta avancé, c'est des prototypes qui ressemblent à ce qu'ils vont vraiment être, ou le form factor on va dire. Ouais. Même les applications, on vous montre, on n'insiste pas trop sur les produits, on va vous les montrer quand même de près, mais ils peuvent changer, donc faut pas leur en vouloir si ça change, parce que il y a du développement derrière, il faut le temps que ça sorte, on va en parler après. Ouais. On fera un petit résumé, je donnerai aussi les dates potentielles de sortie. Mais en effet, pour reprendre ce que tu dis Sébastien, ce sont vraiment des prototypes. Après on verra les écumeurs, ils sortent d'impression 3D. Donc c'est même pas une pré-série sortie des premiers moules, c'est vraiment de l'impression 3D. Donc voilà, on est sur un salon pro, on vous montre un peu l'avenir du marché, chez nous et chez les autres, c'est pareil en général. On va passer aux écumeurs. Allez, c'est parti. Deux produits sur ce showroom, on va dire, parce que c'est un showroom, Red Sea sur le salon. Ouais, clairement, quand on fait un salon comme ça, on met tous nos bacs en eau. On a donc les nouvelles décantes, les V3, et on a aussi les fameux écumeurs dont je vous ai parlé. Alors, petite erreur, je vais noter, c'est que j'ai parlé de quatre équipements connectés. Oui. Pour l'instant, les écumeurs ne sont pas connectés. Et c'est pas le plan. Voilà, donc comme ça, c'est clair. Je vais raconter des bêtises de temps en temps. Ouais, bien sûr. Donc, passons maintenant donc à la décante V3 et aux écumeurs. Ok, donc la décante V3, vous connaissez les reefers. Même si on ne le dit pas forcément au niveau industriel, on fait évoluer les produits. Parce qu'on est extrêmement à l'écoute de vos retours, bientôt tous les canaux web et tout ça. Donc pour votre information et pour mémoire, les Peninsula et les reefers XXL bénéficient déjà de meubles en contreplaqué marine haute pression, entre autres, je verrai après. Ce n'était pas le cas de tous les modèles de taille inférieure. Maintenant, cette qualité de meubles va descendre entre guillemets jusqu'au reefer 250. On va gagner en qualité, en résistance aussi à l'imprégnation de l'eau, tous ces facteurs-là. Mais c'est pas que, il n'y a pas que ça dans ce qu'on appelle nous en interne les V3. Les V3, sur les 425 et 525, vous aurez des réservoirs d'eau osmosée un peu plus grands. C'est pas mal, ça revient souvent. La réponse qu'on a, nous, et c'est la seule, il n'y en a pas d'autre, c'est qu'on voulait absolument, et depuis le début, garder un compartiment pour un groupe froid éventuel. Donc on a quand même pris la décision de fournir une réserve d'eau osmosée, mais malheureusement, par rapport aux résistances de décantation, on ne peut pas mettre 30 litres suspendus en verre sur un autre truc en verre. Donc on les agrandit quand même, quoi qu'il en soit. Autre chose, au niveau de toutes les connexions en PVC, on a changé complètement le schéma de façon à faire venir la vanne de réglage de descente devant, pour que le bac soit silencieux devant. Comme ça, en gros, je vais pas être super bien placé, mais en gros, on touche comme ça, on tend l'oreille et on entend beaucoup mieux si le bac est silencieux ou pas. Aujourd'hui, on est obligé de faire ça. On va au fond, on règle la vanne, on se relève, on écoute le bruit de descente. Deux autres petites évolutions.
y compris jusqu'au 250, il y aura un compartiment pour un refugium. D'accord. D'accord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, autre petite évolution pour vous faciliter la vie. Lorsqu'avant il y avait deux micro-bagues, oui. Maintenant il y aura un micro-bague et un godet de filtration. D'accord. Quand il y a quatre micro-bagues, il y aura deux micro-bagues et deux godets. Ok. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup utilisaient nos micro-bagues comme support de masse filtrante. Oui. Alors, soit de la zéolite, des résines antinitrates, du charbon, enfin, qu'importe, tu vois. Mais derrière un micro-bague, il se colmate très très vite parce que c'est autant de petites poussières qui se libèrent. Donc pas efficace, il s'encrase tout de suite, ça marche plus. Aujourd'hui, avec ce godet de filtration là, c'est vraiment fait pour maintenir vos masses filtrantes. Voilà. D'accord. Voilà, on a fait le tour des V3 pour le coup. Ouais. Passons aux écumeurs, parce qu'on voit un joli écumeur. Donc, on peut le dire, adieu Syskim. Adieu Syskim, voilà. On te regrettera. Ou pas. Ou pas, oui. Voilà. Il faudrait pas que Sharon nous entende parce qu'il est encore convaincu que c'est le meilleur écumeur du monde. Mais Sharon, c'est celui qui a inventé l'écumeur noir et carré. Et Stéphane. Du coup, on aura une vraie gamme, une mini gamme d'écumeurs. Okay, il y a trois modèles. On les a placés en fonction du volume du bac. Okay, okay. Et ce volume de bac, il est différent en fonction de la faune, encore une fois. Oui. Okay, donc, on aura. Toujours l'idée du rivecare par rapport à espèces dominantes. Exactement. Quand on a que des espèces et qu'on veut un bac limite oligotrophe, on comprend bien que la pureté de l'eau est absolument primordiale. Et du coup, on conseille nos écumeurs pour un peu moins de litres dans ce cas-là. Okay. Si on a un bac de fish en nid où les poissons, c'est extrêmement tolérant en nitrate, en phosphate et tout ça. Donc ça veut dire que sur un modèle comme ça, éventuellement, on peut avoir deux modèles d'écumeurs qui peuvent rentrer. Celui qui devrait être normalement sur un classique et peut-être celui qui est au-dessus en taille, on va dire. Oui, tout à fait. Après, on verra sur les écumeurs, mais en plus, ils sont la forme est ajustable. Ça, c'est un peu bizarre, mais on peut orienter la pompe. D'accord. Donc, on peut vraiment, si on est un peu contraint au niveau des dimensions de la décantation, réussir à placer un écumeur peut-être un peu plus gros que ce qu'il faudrait, mais simplement en tournant la pompe, on arrive à le caler dans le compartiment. D'accord. Okay, juste une petite précision, il y a aussi sur le jusqu'au 250, au niveau de la V3, le compartiment d'écumeurs à hauteur d'eau variable. Oui, ça c'est important. D'accord, ouais. C'est important parce que pour le fonctionnement des écumeurs, bon, on sait comment ça marche, ça évite d'avoir à surélever l'écumeur. Ouais. Rajouter quelque chose qui peut faire de la vibration et du bruit dans les camps pour rien. Ouais, par exemple. Donc du coup, on a parlé de beaucoup de matériel. Maintenant, on va parler des questions qui fâchent. Il y en a ? Oui, prix et dispo. Mais rien ne fâche, ça, c'est super. Non, il n'y a rien ne fâche. Sauf pour ceux qui voulaient quoi, le produit demain, ça c'est sûr. Mais disponibilité. Après, je vous parlerai des prix publics conseillés. Disponibilité. Les premiers produits disponibles, notre plan, c'est septembre et ce seront les écumeurs. D'accord. Paradoxalement, ce sont les produits qui, sur le salon, sont les moins avancés au niveau industriel. Mais au niveau industriel, en même temps, ce sont les plus faciles à mettre en œuvre. Ils sont moins complexes. Moins complexes. C'est moulage, que ce soit de l'acrylique, de l'ABS, c'est tout ça. C'est une pompe et puis. Pompe, ça on a déjà bossé dessus, il n'y aura pas de changement, mais par contre c'est au niveau de la définition des moules et du choix des matières premières. Okay. Oui. Donc voilà, ça, mais ce sera vite fait, ce sera en septembre. On est mai, voilà, rappelez-vous qu'on est sur un salon professionnel, ok, donc faut le temps après faire les stocks, alimenter tout le monde, c'est une autre échelle de temps que celle de l'utilisateur final. Pardon ? Ensuite, tout le reste, le Reef Web et le Reef Dose, novembre. Voilà. Okay. Donc les mauvaises langues diront que ce sera novembre 2019, mais je pense que depuis 2-3 ans, avec l'évolution de la société, quand on annonce quelque chose, normalement ça tient. Voilà, on l'a vu avec les riffeurs de luxe par exemple, on était dans les temps. De toute façon, on pourra le vérifier parce qu'on va se croiser, je pense, à Animalis Show, Animal Expo. Ah, le salon parisien, oui. Ah ben, si vous venez, ouais, de toute façon on y sera sans doute. Je pense que ça sera par là. Peut-être. Oui, bah probablement. Hein, si c'est mois d'octobre, je peux rien garantir. Est-ce qu'on aura des protos ? Est-ce que ça sera disponible ? Je peux rien garantir, mais voilà, on s'y croisera. On vous tiendra sans doute au courant parce que c'est un salon qui est quand même ouvert au grand public. Si jamais on le dira exactement. Sur Recifa News, ça vous permettra de voir les produits en vrai, de les toucher du doigt avant qu'ils sortent si ça peut arriver. Voilà. Si on est capable de le faire, on le fera avec plaisir. Parlons des tranches de prix. Oui, tranches de prix. Alors, puisque je parlais des écumeurs en septembre, trois modèles de 350 à 450 euros. Oui. Okay. Je parle évidemment de prix public. Okay. Indicatif, c'est-à-dire que tout peut changer. Oui. Okay. Ça peut encore changer. Parce que cotation de matières premières, tout ça, on sait que ça évolue, hein, oui. Le coût des matières premières. Ensuite, la pompe doseuse Wi-Fi et tout l'aspect, pour le coup, les trois éléments connectés. Oui. Pompe doseuse, 4 canaux, Wi-Fi que vous avez vu tout à l'heure, 325 euros. Okay. Avec la précision du coup. Hein. Le Reef LED,
400 euros le module. Ok. On s'est calqué en fait sur le prix d'un Hydra 26 HD qui équipait nos bacs jusqu'à présent. Bah, ça veut dire que si vous achetez l'aquarium avec ces nouveaux modules, ça sera compris dans le prix de l'aquarium, on va dire. Ah oui, le plan évidemment, en c'est, deluxe, qu'à, c'est voilà. qu'à terme en deluxe, ce soit nos modules. Si vous voulez rajouter des modules, par exemple sur votre aquarium, rajouter ou changer, c'est 400 euros. Voilà, exactement. Et, on finit les prix. Et après, je ferai une aparté par rapport à cet équipement LED. Autre chose, au niveau des pompes de brassage, du coup. Oui. Okay, 299 et 325. Ok. Voilà. À chaque fois, avec le Wi-Fi intégré. Donc, il n'y a pas de module supplémentaire à acheter. Okay. Je fais une aparté par rapport au LED dont tu viens de parler. Oui. C'est très, très important. Vous le savez peut-être déjà si vous avez des reefers à la maison. Certaines personnes veulent des fois rajouter des modules. Mmh. Okay, et l'application AI fonctionne avec un appairage entre le module parent et les modules élèves. Enfants. Ouais. D'accord. C'est des fois une étape pénible à faire avec l'application. On voit le petit logo tourner, ça continue toujours, c'est déjà appairé, alors qu'en fait, on n'en a pas l'information. Là, il faut bien savoir que tous nos modules LED sont chacun équipés d'un module Wi-Fi, bien sûr, mais qui sont tous liés directement au téléphone. Il n'y a plus aucun appairage entre eux. Oui. D'accord. Donc cette étape-là qui était vraiment fastidieuse et qui suscitait beaucoup de questions techniques disparaît complètement. Voilà. Et si on veut mettre 25 modules LED sur un bac de 2000 litres, on en met 25. Mmh. Il n'y aura pas un module par an qui est chargé de balancer l'information aux 24 autres. C'est une synchronisation. Chacun soit synchronisé individuellement les uns des autres. Vachement plus souple. Ok, bah, ça fait quand même un sacré programme pour cette fin d'année. Fin d'année, début d'année prochaine, ça va, on va pas chômer, ouais. Et puis, donc on vous indiquera au passage les dates de tournée de Fabrice, donc parce qu'il va faire des shows un peu partout en France pour les nouveaux produits. Donc on tiendra un calendrier à jour. Des shows, venez nombreux. C'est ça. En tout cas, je te remercie pour ton accueil. Je t'en prie, pour cette édition 2018 d'Interzoo. Ouais, merci et puis, c'est normal. Et puis, on va découvrir ça très prochainement dans Recife News. On vous tiendra au courant pour ces équipements, mais on vous les mettra aussi en test. Allez, ben super. Salut.